à vous qui nous écoutez. Nous continuons l'émission Jésus en action. Et bonjour Luc, bien sûr. Comment vas-tu ? Ça va bien. Nous te laissons toute la place, Luc, afin de continuer sur la main sèche. La main sèche, oui, c'est toujours dans la série Jésus en action. Jésus en action, oui. Et il y a un épisode de l'Évangile, c'est dans l'Évangile de Matthieu. Et Jésus est dans une synagogue. Alors, étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Luc, pourquoi Jésus, quand il a eu cette question-là par ces hommes, pourquoi il a répondu par une question par rapport avec la brebis, par exemple, pour l'exemple de la brebis? Alors cette question, elle a un but, c'est que chacun de ceux qui le questionnent, dans sa propre conscience, bien sûr, il ne va pas le dire à voix haute, mais dans son cœur, il va dire « oui, c'est vrai, si je n'ai qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, même si c'est le jour du sabbat, je vais aller la retirer. » Et Jésus leur montre l'hypocrisie de leur question. Parce que c'est évident pour eux que si leur brebis tombe, ils vont la chercher, de même que Jésus leur dit dans un autre texte, il leur dit « Qui de vous ne mène pas sa brebis à l'abreuvoir les jours de sabbat ?» La réponse est évidente. Alors, quand un homme est malade, handicapé, la main sèche est handicapée, il est évident que c'est une bonne chose, quel que soit le jour, de guérir cette personne. Et Jésus, là, n'y va pas par une question, mais par une affirmation. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Et là, c'est Jésus, en tant qu'enseignant, en tant que maître, qui dit, il est permis, ce n'est plus une question. Autant, l'histoire de la brebis est une question rhétorique, autant l'affirmation est claire et nette, il est permis de faire du bien les jours de sabbat. Mais au-delà de ça, il y a, puisqu'on est dans une période où on se pose beaucoup de questions entre les hommes et les animaux, Jésus dit clairement, un homme vaut plus qu'une brebis. Alors il est bon de respecter les animaux, de ne pas leur faire du mal, mais la dignité d'un être humain n'a rien à voir avec l'attention que l'on doit porter à une bête. Et quand Jésus leur donne l'exemple de la brebis c'est une ressource financière. On va vendre la laine, quand elle sera suffisamment âgée, on vendra la carcasse, et puis éventuellement on récupère le lait. Donc c'est une ressource. Un homme, une femme, un enfant, il a une dignité qui lui vient de Dieu. Parce que le début de la Bible est très net, Dieu créa l'être humain à son image. Et c'est Jésus lui-même qui dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Alors dans le débat actuel, spéciste, antispéciste, il est bon d'avoir cet enseignement de Jésus en nous-mêmes. Ce qui, bien sûr, ne légitime pas la maltraitance animale. Tout à fait. Puisqu'un autre texte, pour être précis, dit, à propos des premiers fils de Jacob, « Dans leur violence, ils ont coupé les jarrets des chevaux. Aussi, je les disperserai en Israël. » Donc, il y a une punition sur ce comportement violent. Mais le texte qu'on a lu là dans Matthieu 12, on a un texte parallèle dans l'évangile de Marc, et là Jésus va poser la question différemment. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu », puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Alors Luc, j'ai une question par rapport à ça.
Pourquoi Jésus leur dit « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Eh bien là, il donne un côté beaucoup plus dramatique à la question, puisque le mal est vu presque en face du bien. Faire du bien, faire du mal. Sauver ou tuer. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Sauver, ça va dans une certaine direction. Tuer, c'est dans une autre direction. Alors, tout l'évangile pointe vers la croix. Et quand Jésus pose cette question, en fait, il a en vue sa propre destinée, sa propre heure, son propre temps. Il est venu pour être mis à mort. Il est venu pour s'offrir en sacrifice pour nous. Et en fait, eux qui se posent des questions métaphysiques, a-t-on le droit de guérir un homme le jour du repos, le jour du sabbat, ne vont pas être gênés, et c'est la suite du texte. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Le fait que c'était le jour du sabbat ne les empêche pas de réfléchir, de se consulter sur comment faire mourir Jésus. Oui, c'est un complot, comploté, quoi. C'est un complot, mais surtout ça montre bien, encore une fois, l'hypocrisie de la question. Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire du bien? Oui. Ben, Jésus dit, apparemment, ça ne vous gêne pas de faire du mal. Alors pourquoi ça vous gêne que moi je fasse du bien? Tout à fait. Maintenant, dans la manière de faire du Seigneur, il fait de l'homme à la main sèche son allié. Et c'est une pensée qu'on va retrouver dans d'autres émissions. C'est que la personne qui va bénéficier de l'action de Jésus-Christ peut glorifier Dieu en étant allié de Jésus-Christ. Et Jésus fait travailler cet homme. Il le fait se lever. Lève-toi là au milieu. Alors imaginez bien la scène. Il y a une partie de la synagogue, on ne va pas dire toute la synagogue, mais une partie de la synagogue est hostile à Jésus-Christ, en lui posant cette question. Et c'est comme si Jésus disait à cet homme, mouille-toi. Parce que cet homme n'a pas demandé à être guéri. Non, c'est vrai. Il n'a pas demandé un miracle. En fait, il est l'objet de tractation entre Jésus et ceux qui lui posent la question. Et Jésus l'engage à prendre parti. Lève-toi. Et cet homme aurait pu dire, non, je reste assis. Oui. Mais il accepte de se lever. Et en se levant, il devient l'allié de Jésus-Christ. Bien sûr, ce n'est pas lui qui va faire la guérison. Il va être bénéficiaire de la guérison. Oui. Mais il montre par là son accord avec Jésus qui veut faire le bien le jour du sabbat. Donc il l'engage. Et c'est là, dans nos milieux chrétiens, on parle d'acte de foi. Cet homme, en répondant à l'injonction du Seigneur, fait un acte de foi. Lève-toi là, au milieu. Il se lève et il prend position. Et il est bien aussi que, peut-être parmi ceux qui regardent cette émission, il y en ait où Dieu leur dit, lève-toi. Lève-toi là, au milieu. Lève-toi là, au milieu de ta famille. Lève-toi là, au milieu de tes voisins. Lève-toi là, au milieu de ton travail. Même si tu entends des choses désagréables sur Jésus-Christ et sur la foi. Mais lève-toi, lève-toi. Et sois un allié de celui qui t'a sauvé. Donc cet homme accepte un peu ce que Jésus dit par ailleurs, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Mais bien sûr, le plus important, c'est que Jésus va le guérir. Et cet homme va retrouver l'usage de sa main. Et ce n'est pas dans tous les manuscrits, mais dans beaucoup de manuscrits, on insiste... Il étendit, elle devint saine comme l'autre. Donc il avait une main qui fonctionnait très bien, une main qui ne pouvait plus rien faire, et il retrouve l'usage de ses deux mains. Et on ne sait pas la cause en plus. On ne sait pas la cause de son handicap. Est-ce que c'est de naissance? Est-ce que c'est arrivé suite à une maladie? Suite à un accident? On ne le sait pas. Mais ça montre aussi l'importance du corps. Nous ne sommes pas que âme,
nous ne sommes pas que esprit, mais nous sommes corps et âme, corps et esprit. Et Dieu s'intéresse autant à notre corps qu'il s'intéresse à notre esprit. Amen. Et en guérissant le corps de cet homme, Jésus va en refaire un homme complet. Même si ailleurs Jésus a dit, il vaut mieux aller dans le ciel avec une main en moins, oui, qu'un œil en moins. Ou un œil en moins, que d'aller en enfer. Mais ça montre bien qu'il ne faut pas prendre ses paroles au pied de la lettre. Puisque si Jésus a dit ces paroles-là, si ton œil est pour toi une occasion de chute, jette-le. Mais quand Jésus voit un aveugle, bah, il redonne la vue à l'aveugle. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Hein? Mais quand Jésus voit quelqu'un qui a une main sèche, il guérit sa main. Alors il faut bien interpréter les textes et ne pas faire des actes inconsidérés. Mais je reviens là sur la question faire le mal, faire le bien. Faire le mal, c'est rompre les jambes de Jésus quand il est crucifié. Pour être sûr qu'il est mort. Et ça, c'est faire le mal. Et ça s'est passé une veille de sabbat. Mais faire le bien, ben c'est Joseph d'Arimathée qui a demandé le corps de Jésus à Pilate, qui lui aussi s'est levé, il a eu le courage d'aller voir Pilate, de demander qu'on lui donne le corps pour enterrer Jésus convenablement. Même si après Jésus est ressuscité. Mais il a été, comme disaient les prophéties, dans le tombeau de Hitch. Parce qu'un homme s'est levé pour faire le bien, comme les femmes se sont levées pour embaumer le corps. Alors faire le mal, faire le bien, tout est possible. Mais mieux vaut faire le bien que le mal. Que de faire le mal. Merci Luc, merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et Dieu vous bénisse.